Hello YouTube, bienvenue, bienvenue pour tous sur chaîne moi, moi bien content avec nous encore aujourd'hui. Mando, s'il vous plaît, abonnez avec chaîne là si c'est pour première fois, cliquez sur une vidéo nous. Et si c'est pas pour première fois, Mando, yeah, abonnez avec chaîne là. Commentez vidéo nous, partagez et puis dites-moi sur vos vidéos. Dans la vidéo aujourd'hui, moi pour parler de biométrique appointment. Si ou c'est un monde qui est entré aux États-Unis avec un visa fiancé, visa K1, c'est sûr que ou connaît que processus là pas fini, il y a un paquet d'autres bagages pour faire. C'est comme si même processus était fait en Haïti, il y a un autre processus encore pour recommencer fait, mais qui même gens encore et qui prend même quantité de temps ou te prend avant pour te rentrer aux États-Unis. Biométrique appointement qui s'allie. C'est un coup l'on aller, par contre si il y a monde qui connaît aller dans DCPJ déjà, l'on aller dans DCPJ, il prend empreinte ou yo prend tout 10 doigts d'empreinte tout et puis yo rentre sur le système pour capable checker background non pour être pas un criminel ou pas qu'on participer dans un illégal et si pas qu'on a retour déjà pour capable qu'on avec qui moun yo en a fait là rentre sur en Haïti ou rentrer avec un visa qui gagne 90 jours sous lui ça veut dire 90 jours visa ou gagne 90 jours pour marier avec citoyen américain. Si vous pas marié dans 90 jours, y a voyo tourner dans pays ou je vais aller dans voyo tourner back en Haïti. Ça veut dire mariage dans 90 jours. Si c'est pas ça, ou illégal dans pays. L'autre bagarre encore après tout ça fin passé, ou préparer un folder pour voyer by USCIS. Ça c'est toute preuve qui pour dire que ou marié, mariage ou légal et puis comment gon pa ket bagay ap mande pou mete la dan comme kankou ak de naissance ou et ak de naissance maro preuve que maro la citizen s'il te marié déjà ou bien sou te marié déjà extrait divorce nou pour nous mettre tout ça la dan de façon pour nous faire un package pour nous voyer aller si ou te marié ou ap mete faute sou te marié l'église ou bien te faire un gros fête pour mariage ou ap mete toute photo mariage ou tout bagay patati patata si par exemple, ou bien t'es enceinte, ou bien, si son février, ou bien t'es enceinte, ou bien si madame ou bien t'es enceinte, si son garçon est madame ou bien t'es enceinte pendant un moment, ça. L'étape bon pour t'ouvrir une photo sonographie que, ou t'es fait, pour qu'à prouver que, gagne un bagage qui passait pendant que nous t'es venu. Soit rien, c'est pas grave. Parce que c'est pas en condition ou supposé gagne. Soit pas gagne, c'est pas grave. Bref. Et puis, l'offre rempli toutes conditions, ou rempli tout papier, ou voyez aller dans USCIS. Ou a besoin de faire de 1 400 $ pour voyer par money order, ou bien, quelque chose comme ça, parce que, ou a besoin de 1 400 $ pour voyer aller avec papier, après ça, y a qu'un pour voir une notification, bah, pour y dire que recevoir. Ça qui arrive, si c'est au rempli, y a qu'un doit avoir le tourné, bah, ou dit que, li banke bagay tan comme moi-même m'étais appelé de rempli m'voyais pas aller en première fois yo retourné moi même m'voyais aller en deuxième fois retourné moi m'voyais aller en troisième fois retourné moi même sur la quatrième fois chaque fois m'voyais aller toujours voyais dire que gon bagay qui mal fait la donne ou soit gon bagay moi pas rempli soit gon bagay qui mal fait toujours m'appeler de checker m'pa jamais ka joindre ça qui mal passé en dans qu'est-ce moyen et puis en fait quand moi t'ai checké un professionnel un avocat qui était pour voyer papier aller nous t'ai payé et puis il voyait l'aller pour nous en plus de ça les fin voyer l'aller laissez-moi que tu voyer l'aller tu voyer tourner plusieurs fois bon moi les avocat fin voyer l'aller yo voyer une notification ba nous pour dire nous que yo recevoir papier. Kounya la ça veut dire la dans notification dit nous et pour nous tendre si nous changer adresse nous supposé dire que nous changer adresse de façon pour les avoir une notification prochaine notification pour qu'on comprenne qui côté pour aller pour envoyer. Yo voit une notification dit nous que yo recevoir et puis très bientôt il y a voyons l'autre notification ba nous pour dire nous que qui ça pour nous fait. C'est 2 ou 3 mois après, je pense que ça fait le printemps, ça c'est parce que, à cause de coronavirus, là, il y a un paquet de gens qui étaient campés, il y a un paquet d'institutions qui pas travaillent, il y a un paquet de fois, ils étaient obligés de camper ou pas travailler, ça vient de faire un paquet de caisses qui prennent retard à cause de coronavirus, là. On a un paquet de
4 ou 5 mois, vous voyez venir dire que et ils font l'autre notification maintenant, disent que nous supposons aller dans biométrique appointment. Ok, c'est là qu'ils veulent arriver avec nous dans notification ça. Dans notification, ils disent que ils te disent moins pour moi marcher avec 4 bouts de photo identité pour marcher avec une pièce identité. Les fini yo ban nou adresse pour dire nous mais qui côté pour nous aller pour nous pointer avec telle donnée. Je me suis j'ai pas me dit pour me pointer aux environs de soit 11h bien midi ou bien 1h, pas songe exactement quelle heure. Je te dis pour me pointer à l'heure ça. Je dis que ou qu'arriver 15 minutes à l'avance. Moi me t'est arrivé n'importe 20 ou 20 ou 30 minutes à l'avance, parce que c'est arrivé et on fait un petit grand peu de yo. Mais on a dit, ça m'a dit de appointement ça, c'est li pa on appointement qui gagne stress là-dedans parce que yo pas gagne grand-chose yo va faire pour c'est juste. Yo pas pour l'interviewer ou yo pas pour poser question, ni pas besoin avec et mon fiancé là les n'importe mon cas avant et papa l'interview ou elle zou qui ça il va le poser pièce question sur rien. Moi-même t'ai fait 4 photos, t'ai fait 4 photos d'identité parce que tu demandais ça dans je demandais ça dans notification, t'ai fait 4 photos d'identité mais moi pas utilisé parce que les m'arrivé yo t'ai fait chez la devant caméra yo tout pour une photo automatiquement qui tout aller sur le système là tout qui tout aller ça veut dire que juste pas demander une photo ne venez pas c'est juste perdre du temps à faire photo mais si on dit ou supposé porter photo ou doit porter parce que ou pas jamais connaît que yo ka toujours prendre photo non mais le bagage encore et je me dis là c'est empreinte digitale yo pral prendre dans biométrique appointement yo doit tout sous scanner hein, pour capable scanner tous les 10 tours et tout de façon pour checker dans le background nous pour yo wè si yo pa konn arrêté déjà si pa konn participer dans zak malhonnête tant que drogue et tant que terroriste tant que ceci cela tout genre de bagarre ça mais c'est yo pral checker pour yo wè est-ce que pa konn participer dans genre de bagarre ça de façon c'est pour raison ça qui fait au fait biométrique appointement parce que leur fin fait soit elle checker que soit sur internet il y a dit que il y a process biométrique appointement non pour ouais est-ce que ou pas qu'on participer dans bagage illicite pour est-ce qu'on éligible pour yo continuer avec question pour est-ce que on ka continuer en processus pour ou vinn gain résidence dans Amérique j'aime ka di la m'pense que pour biométrique appointement li pa on rendez-vous qui gagne stress la donne si on nous parler la donne faut capable mettre tout fret rete calme c'est pas un processus qui gagne question pour poser la donne mettre tout calme et tout va passer bien l'autre bagarre encore l'autre aller habiller normalement comme tu as dit ça habiller pas décontracté, ne décontracté ou supposé habillé quand si tu as le travail dans un jour tant que si tu as le travail un jour jeudi ou bien un jour vendredi non travail ou bien ou supposé habillé normalement parce que ou pas le en photo pour mettre sous yon pièce d'identité ou qui va passer en paquet de temps en mon parce que les mieux si ou bien paraître si visage ou bien paraître dans photo de façon parce que on va présenter photo à n'importe tout côté pour aller c'est en pièce d'identité lié on va présenter avec parce que la mieux sous bien paraître dans photo. Bon, c'est tout ça que vous me dites des biométriques appointement parce que je vais venir avec une vidéo pour dire comment rendez-vous interview m'a été passé et puis qui ça qui question été posée sous non interview. C'est la vidéo a fini. Moi dis un grand merci avec vous même peut-être qui t'a suivi. Demande s'il vous plaît abonner avec channel là, partager vidéo nous, commenter dis-moi ce que vous pensez de et dis-moi
Si ou te participer non ou te participer non interview bon pas interview non sous te faire biométrique appointement sous passer me bagage si yon bagage me pas dire ou capable dire dans yon dans section commentaire là pour nous capable plus aider plus moun plus clair sous question visa K1 de façon pour moi c'est pour de façon pour nous yon capable aider l'autre pour avancer avec gens de d'être si désagréments que capable joindre non visa K1. Et ou après un bouton abonnement qui affiché non soit là ou là quelque part. Oui, abonnez. Et ma encore dans l'autre vidéo. Bye bye.